Je suis Bruce Pinard. Et moi, je suis Ricardo Kenivol. Et nous sommes les Cascadeurs culinaires. Bonjour et bienvenue au Cascadeurs culinaires. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons l'émission sur le jus de cotylédon. Et oui, ça a l'air d'une belle fougère. Oui, alors on va essayer ça. Personnellement, j'y ai déjà goûté et puis ça ne s'est pas avéré très concluant. Et tu verras pourquoi. Ça commence tellement bien. Regarde la belle couleur, toi. Ça a un vert assez horrible. À vrai dire, ça me fait penser un peu à la rivière Yamaska, c'est... Oui. Oh, oh! Et ça sent la rivière Yamaska aussi. Oui. À la tienne. Un petit peu moins de merde quand même. Oui, c'est ça. Ah! C'est horrible. C'est un jus de dessous de tondeuse un samedi après-midi. Oui, avec un léger goût de miel. Ouh! Ouh! Regardez-moi la couleur, c'est vraiment affreux, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est un drink que je ne recommande à personne, même pas mon pire ennemi. Ouais. Et c'est horrible. Et ça contient de la pulpe en plus. Ah! Horrible. Bref. Il y a des choses quand même plus affreuses que ça dans la vie, plus douloureuses, telles que... De se taper sur le pouce avec un marteau à viande. Ouf! Ça ne va pas faire du bien, non, ça. Non, vraiment pas. Bref, c'était tout pour les Cascadeurs culinaires pour aujourd'hui. Bonne journée.